L'affaire des planteurs du Gabon en Espagne, là. C'est gâté. Oh, y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'équipe du Gabon doit affronter les Léopards du Congo aujourd'hui, le 4 juin, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Mais ils disent qu'ils sont bloqués à Barcelone avec leur avion. Moi, je comprends rien. Si on t'explique les choses du Gabon et que tu comprends, c'est que tu es un malade mental. Mais oui, c'est clair. Pourtant, on a dépensé les centaines de milliards pour construire le stade de Yem, le stade de Port-Gentil, le stade de l'Amitié, le stade de Franceville, mais les gars partent entraîner en France. Espèce de cancre là. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Tatanzambé? Jusqu'à quand? Mais on peut être complexé comme ça. Vraiment. Citez-moi seulement une seule équipe africaine qui a quitté son pays pour aller s'entraîner à l'étranger. Point d'interro. Il n'y en a pas, il n'y a que les panthères du Gabon. Le Sénégal, champion d'Afrique, ils s'entraînent au stade Latidior dans leur pays. Mais les panthères du Gabon vont s'entraîner en France comme ils sont métis. Pourtant, on a au moins 4 stades qui répondent au nom de la CAF. Mais celui qui gère la Fega Foot là, tu sors de quelle brousse? Hey, le monde part en couille. Ouais. C'est un danger potentiel. Moi j'ai fait 25 ans dans ces métiers, j'ai souffert. Mais parle bien français. On vous prévient déjà, si le Gabon ne joue pas aujourd'hui contre le Congo et on perd par forfait, on va signer une pétition pour virer tout le staff de la Fega Foot. Même le Wash qui gagne le portail de la Fega Foot là, il sera viré. Même le ministre de sport sera viré. Mais oui, c'est clair. Vous fatiguez les joueurs, vous les trimballez en France, en Espagne. Barcelone-Congo, c'est au moins 9h30 de vol. Alors que Gabon-Congo, ça peine 30 minutes ou une heure. Vraiment. Mais vous fumez quoi? Vous fumez quoi?